La bagarre, moi, la bagarre. Hey, salut tout le monde, ici Funky Fouine, en compagnie de... Miroki. Yeah. Moi. Voilà. Et nous revoilà pour un nouvel épisode de Mardi sa frite. Mardi sa bastonne. Mardi sa patate. Tout à fait. Ou un simple petit retour sur Street. Oui, tout à fait Jean-Pierre. Il se trouve que nous avons décidé de nous offrir un petit match de Super Street... De oh, Ultra Street Fighter 4, pardon. C'est ça, oui. Comme dit, on voulait vous montrer aussi... sa rose, du coup. Ouais. C'est, l'idée était lancée pendant le premier Mardi sa frite sur Street Fighter. On s'est dit, on va le faire en Best of 5 cette fois-ci. Mais du coup, il n'y aura qu'un seul combat. Voilà, je ne sais plus ce que sont les tenues alternatives de Chun-Li. Je ne sais plus ce que sont les tenues alternatives de Rose. Moi, je sais que j'aime bien celle de Street Fighter Alpha 3, mais je ne sais plus laquelle c'est. Moi, je vais prendre la tenue dans laquelle je la jouais à l'époque. Enfin, la tenue, pas la couleur. Mm-hmm. Du coup, si je perds, c'est à cause de la couleur. Et du coup, c'est un best of 5, donc le premier, le meilleur 3. Sur 5 matchs, en fait. Ouais, le premier à 3. C'est ça, le premier à 3. Mais on s'arrêtera pas. Donc, Rose, comment définir Rose? Rose anti-Shoto. Donc, les Shoto, c'est tous les personnages qui sont de près ou de loin, des personnages avec, voilà, ah, un Shoryuken, un Tatsumaki, une boule. Voilà, j'ai ce truc là qui est génial, qui est anti-boule. Du coup, je suis anti-boule. Bah. Donc voilà, c'était coupé au montage. Voilà. Parce que petit échec, mais c'est bien. Et donc, je disais que moi j'avais pris ma Chun-Li contre Sarah Rose parce que justement elle est un peu aléatoire. Elle est ni trop mauvaise ni trop bonne. Ça, elle est chelou, comme je lui disais. Elle est chelou, voilà. Alors que lui, sa rose est plutôt pas mal. C'était pendant... Je crois que c'est le perso qui m'a duré le plus longtemps. En tant que main, c'est lui qui a eu l'appellation main le plus longtemps possible. C'est technique. Aïe. Ouh, l'embrouille. Ah. Devant, derrière, tu savais pas. Hein. Non. C'était très bizarre. Je sais même pas pourquoi je l'ai fait. D'accord, oh, personne s'est touché. C'était magnifique, c'était trop beau. Oh! C'est quoi ça? Je ne sais pas, mais c'était bizarre. Ah là là, c'est pas beau. Aïe, putain. J'ai raté mon combo, mais c'est passé quand même. Ah, j'essaye un peu de retrouver mes traces avec Chun-Li. C'est vrai qu'on n'a pas... Ouais. Nous ne sommes pas entraînés avant. En fait, on était sur une petite session, juste lui et moi, et on s'est dit que ce serait la bonne nouvelle. Pour enregistrer cette rose. Ouais. Et cette Chun-Li de toute beauté, je tiens à préciser. Ouais, c'est vrai que j'ai ma bonne tenue. Bien joué. Ah. Ouais, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Ah, oh, joli. Je suis... Enfin, je vais pas le dire, mais on a tous vu. J'ai légèrement mangé. Ouh, cross-up, dis-moi qu'il est cross-up. J'ai protégé l'arrière, donc il est cross-up. Oh. Oh, parfait.
Il y a des setups normalement, mais je les connais pas. c'est à toi de me mettre une. Okay. Non, parce que je fais toujours mon truc de blaireau qui marche pas. Voilà, bah, c'est pas super. Et ça marche plus ça, bas gros point sous spirale fort. Je ne sais pas. C'est fini. Oui, je crois. Bien joué, je suis mort. Pas sûr. Ah ouh. Attention. T'as fait putain. Sérieusement. Ça fait tellement mal. Mais t'as vu, c'était trop chelou, ça t'a téléporté. Ouais. C'était trop bizarre. Fifi, moi j'ai bien aimé. Ça me va moi. Moi pas, mais c'était bizarre. Attention. Hein. On appelle à l'arbitre. J'ai gagné. Moi je dis il y a téléportation bizarre. Parce que ta deuxième boule était derrière toi, c'était bizarre. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Après c'est street hein. Ouais c'est street. Il y a plein de situations où ça veut rien dire. Mais... Ah ouais, j'ai fait shop, t'as pas fait shop, en fait t'as fait shop. Mais bon. On aime quand même. C'est le pouvoir de Capcom, on les aime autant qu'on les déteste. Bah c'est pareil pour leur jeu. Ah, comme je te l'ai dit, je suis pressé quand même de voir ce que donne Street 5 parce que j'ai envie de passer à autre chose à force quand même. Oui, mais je me dis aussi que voilà, il y aura toute une. Sachant que moi, la phase d'entraînement sur Street, c'est un sujet assez délicat. Mais ouais, refaire une phase d'entraînement sur Street 5, ça me... Ouais. Bah ouais. Ouais, je sais, ouais. Je sais. Au revoir. Comme ça ressemblait à rien de nouveau. Mais ouais. Ouais, moi pour apprendre à jouer à Street Fighter 4, je me suis enfermé pendant 6 mois. Ouais, mais c'était ton premier jeu de combat où t'as appris ouais, à jouer. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois bien, Mortal Kombat 9, on avait tous les combos de petits chinois sous la main au final. C'est vrai. Je pense que si Mortal Kombat 10, on se prenait vraiment. Je sais pas, 3 journées quoi. C'est sûr que ça va pas se faire en une heure. Mais... C'est sûr. Bah après moi j'avais demandé à des amis à moi lors d'un tournoi de Street et eux quand je leur ai demandé leur avis sur Street 5 et quand je leur ai dit justement ce problème que j'avais avec la phase d'entraînement qu'il faut refaire etc. Ils m'ont dit joue à Street Omega. Joli. Ils m'ont dit joue à Street Omega, c'est Street 5. C'est vrai qu'il y a de l'idée. Pour ceux qui ne connaissent pas, Street Fighter Omega est le dernier DLC en date et a introduit un mode de jeu qui s'appelle le mode Omega qui rend grosso modo tous les personnages cheatés. Et c'est ça qu'il faut te dire, Miro. Je veux dire, si je prends le cas par exemple Soul Calibur, tu vois. Ouais. Ce jeu là, on y a joué une soirée, c'est bon, t'avais tous les combos d'un perso. Machin comme ça, donc si Street 5 sort et qu'on y joue beaucoup et qu'on ne repasse pas, tu vois, tous les deux jours à Street 4, bah. Ouais, c'est ça la question. Est-ce qu'on abandonnera Street 4 au final ou pas, je pense. Ah, je ne sais pas. On verra ça dans 2 ans, j'ai envie de dire, mais. Win. Ouais, Win. Mais on voit bien quand même que ta Chun-Li me fait galérer. Ouais, mais ta Rose est quand même trop... Ah, elle est stable, en fait. Ouais. Comme Sagat, elle a le syndrome Sagat, c'est... Elle saute jamais, par exemple. C'est vrai que je saute rare, enfin, si, y a la Rolpe, Shoryu, Oui, mais Shoryu, ouais, j'aime bien. Bon. On change de map Oh, tiens. Ah, en Russie. D'accord. Spécial dédicace à mon calibre. Il comprendra. La Russie, mère patrie, la Katyusha, Zangief, tout ça, les poils, le caleçon. Mais ouais, quand tu dis est-ce qu'on rejouera à Street 4, ben je te dirais qu'on a bien laissé
Street Fighter Alpha 3 derrière, que moi j'affectionnais beaucoup. Et bien vrai. D'autres jeux de combat derrière, quoi. C'est vrai aussi. Mais moi j'ai jamais eu autant de... J'ai jamais eu de jeu de combat avant, tu vois. Vu que j'ai commencé sur Street 4, quoi. Moi je connais pas encore ce syndrome de vas-y laisse tomber le jeu que t'aimes. Bah c'est la suite, comme dit. Ouais, c'est vrai. Enfin, mais pour le coup, il y a vraiment une différence de gameplay comme entre le 4 et le 3. Ouais, mais je veux dire, les bases sont là quand même. Je veux dire, tu sais faire un Shoryu. D'accord. Wow. Ça fait très mal. Tu vois, si. Je ne considère pas que je sais bien jouer à King of Fighter. King of Fighter, mais tu me mets dessus, je sais faire les coups spéciaux. Je sais capter 2-3 enchaînements et tout ça, quoi. Ouais, mais après, justement. Bah après, faut tâter le jeu des heures. Mais si le jeu te plaît, tu vas le tâter des heures et des heures sur le live et tout ça. C'est vrai aussi. Oh, joli. Ah ouais. Pour info, Rose, personnage qui charge sa super le plus vite du jeu, ce qui explique mon nombre de super comparé à Funk. La super, c'est quand c'est pas quand il y a une animation vidéo, c'est juste le temps s'arrête. Ouais. Ou mind game. Ouais. Oh dommage. Ah fuck. Oh oui. Ah, elle est en forme la Rose hein. Mine de rien, elle a l'air motivée hein. Elle a l'air motivée. Bon, à chaque fois tu prends un match. Un round. Un round. Non. Donc en fait, la vraie question, c'est ça, Miro. Est-ce que Street 5 va te plaire ou pas? C'est plus ouais, ça. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça, ouais. C'est surtout ça, au final. Après, tu vois, Street 4 a quand même... Oui. Tu vois, ses défauts aussi, on vieillit. Dira. Ouais, il vieillit. Et voilà, les ultras, c'est... Je m'y suis habitué, mais c'est toujours discutable, bien sûr. Ouais, mais est-ce qu'on gueulera pas sur le V-Trigger quand il sera là, quoi? Bah non, parce qu'il est moins... C'est pas le délire, tu te fais taper, tu tapes plus fort, quoi. Oui. Ah, tu vois, c'est ça que les gens ont pas aimé, c'est que... C'est du coup, en une manip, le mec peut reprendre, t'enlever les trois quarts de ta vie... Moi, ce qui m'intéresse dans Street 5, c'est justement le délire de si c'est Omega. Moi, je veux bien les gens, hein, mais ça veut dire qu'il y a des, il y a des, il y a des combos, il y a des combos de la folie d'Edric, quoi. Et ça, moi, ça m'intéresse, vu que j'aime bien les combos. Ça va dépendre des persos, je pense. Ouais. De ce qu'on a vu, il y a déjà des trucs sympas. Il y a déjà des trucs sympas, et apparemment, Karine, genre, très même... franchement, c'est la fête. Hein. Même ce que j'ai vu de Bison. Oui. Qui est pas un perso de combo de base, il en a déjà. Même Vega s'est craqué, tous ces trucs dans le trailer, ouais, tu verras, c'est genre 3-4 coups à chaque fois. Oh, c'est stylé ça. Il a l'air complètement différent, je me demande ce que ça va donner. Bah, c'était le problème de Vega, c'était ça, c'était soit il est cheat, soit il est. C'est ça. Soit il est. Mais du coup, s'ils l'ont changé, peut-être qu'ils ont réglé le problème et que du coup, il est mid-tier comme il devrait être. Donc les gens, Vega c'est mon perso du cœur, mais c'est une merde dans Street 4. C'est un peu ça, ouais. En fait, le problème avec Vega, grosso modo, c'est que vous êtes à terre et vous avez rien pour vous relever. Vous êtes toujours perdant en vous relevant, en fait, quoi que vous fassiez. Ouais, c'était une envie. Par contre, c'est ça. Ouais, je t'en fais.
Ouais, oui, c'est... Ouais. Mais je te propose qu'on continue quand même, avec d'autres persos. D'accord, bah très bien. J'ai envie de sortir une Makoto des Enfers. Alors, Makoto, bah, il me reste ma Poison et mon Vega à sortir, on va dire. Ah, Poison. Oui, contre Makoto, je comprends. Ouais. Contre Makoto, Vega, je le sens moyen, je sais pas pourquoi. Donc Makoto, perso que personnellement, je juge comme étant le plus dur à jouer. Puisque c'est le perso le plus rapide et le plus lent du jeu en même temps. Concept. C'est quand vous faites avant, elle va pas très vite. Mais comment on dire. On va vous montrer. Voilà, attention. Ça, c'est la marche de Makoto. Pas comme génial. Comparaison. Ah. Genre 3 pas de voilà, plus que génial. Toi, quoi. En arrière, elle va plus vite que moi en avant, quoi. Génial. Par contre. Comment dire. Voilà. Et il y a un certain coup qui va vite aussi. Ouais, aussi. Mais ça, on le verra plus tard. Vous le verrez bien. Ah oui. Désolé, j'ai un peu commencé. Ouais, vas-y. D'un côté, je suis pas sûr que Poison ait quelqu'un qui est du genre à respecter les règles. Je fais du... Roleplay. Ouais. Roleplay. Aïe. Ça fait pas du bien. Wouah, ça fait vraiment pas du bien. Non, ouais. Ça a pas mal poussé, hein. D'accord. Oh, dommage. Oh. Ouais, j'ai fait le ex, du coup elle a décalé. Oui, c'est une fille. Hein. Pour ceux qui se demandent, moi je me demandais au début, c'est une fille. Qui, Makoto? Makoto, oui, quand même. Makoto est une femme. Donc elle a 900 points de vie. Oui. Rappel épisode 1. Ouais, rappel épisode 1, ouais, c'est vrai. Je suis plus sûr, mais... Ouh, les baffes. Aïe. Aïe. Je t'ai tué deux fois de la même façon. On le fait en best of 3, hein, je suppose. Ouais, ok. Ah, ok. Oui, alors... C'est les notes hein, qu'il faut regarder les gens. Hein. Les notes hein. Non mais tout, mais sauf ce qui demande à être regardé. Parce que bon. Attends, comment ça, j'ai pas si. Poison, ah quand gagne. Elle montre quelque chose qu'il faut pas regarder. C'est les notes qu'il faut regarder, les notes des combats ou genre de choses. Ah merde, c'est moi qui choisis. Y'avait pas une bonne musique là-bas? Sans. Je ne sais plus. Je confonds peut-être avec... Ah, là, c'est pareil. C'est le décor derrière, c'est le monsieur derrière qu'il faut regarder, hein, évidemment. Ah bah, tu disais que tu précisais que Makoto était une fille avant. Mais le débat est ouvert aussi. Du côté de chez Poison. Poison, il paraît que normalement, elle a été... Le débat n'a plus lieu d'être. Il y a eu confirmation officielle, je sais plus quoi. Oui, bah ils l'ont confirmé dans Ultra Street, je crois. Hein. Ils l'ont annoncé en fait. Oh là là. Bah il me semble que la fin du débat, c'est qu'ils avaient mis que c'est une New Alf. Ouais, c'est une New Alf. Donc c'est le type qui n'existe pas, quoi. Comme un Pokémon. Voilà. C'est un type inexistant. Quel type de Pokémon es-tu ? Je sais pas. Ça baffe des Makoto. Ouais, pire. Ouais. Donc Poison, c'est ce que vous voulez. Ouais. Mais disons que je sais qu'il y avait les petits délires, genre Ryu qui lui disait... Qui disait un truc au masculin en lui parlant dans Street Cross Tekken ou un truc comme ça. Ah ouais? Ouais, il y avait des petits trucs mais qui étaient toujours censurés par rapport à la version japonaise. Ouais. Oui, bah. On change pas les bases. Hein. Bah, c'est ça qui est bizarre parce que le débat existe en fait parce que dans la version. À cause des versions des États-Unis. De Final Fight, si je dis pas de conneries. Oui.
On pouvait pas. C'était mal de taper sur des filles. Ah, la mort bien ridicule de Poison qui se prend un coup et ça a pas de réaction. Likey. Mais. Ça se faisait pas de taper sur des femmes. Makoto, elle te pète dessus. Et du coup, les Poison que tu voyais dans Final Fight, dans la version Riken, dans les livrets, ils avaient dit c'est des transsexuels. C'est ça. On peut frapper sur des transsexuels. Apparemment, c'est mieux. C'est plus politiquement correct. T'as pas capté, mais fin du round, je t'ai pété dessus quand même. Y'avait à fond. Hein. Ah bon? Ah, y'avait à fond. Aïe. Voilà. Chopspé ultra. Mais comme dit, finalement, les créateurs l'ont quand même fait une new hype. Ah, bien joué. Oui, best of 3, tu as gagné. Ouais. Avec ta Poison. C'est vrai. Mais il me semble qu'ils avaient fait, je sais plus, c'était peut-être dans la preview de Street Cross Tekken ou la preview de Ultra Street 4, mais je sais que sur leur site, quand tu lisais la description, ils l'avaient aussi changé au final, mais de base, il y avait un sous-entendu. Ouais, la preview de Cross Tekken, celle avec Abel qui dit « En garde, je suis Bah ouais, c'était du lourd. Heureusement qu'ils ont pas validé ça quand même. En garde, s'il vous plaît. Parce que. Bah, t'es sûr? T'es sûr ils l'ont pas mis? Je suis presque déçu. Ah bah, je crois, je sais pas. S'ils l'ont mis, j'ai pas entendu. Bon, après, je joue pas avec. On n'y a pas joué beaucoup, Street Cross Tekken. Voilà. Très beau skatepark, hein, on est d'accord. De très beaux dessins. Hein. Ouais, on tourne un peu en rond, mais. Parce qu'il y a des stages qui sont bien et d'autres pas. C'est ça. Tout simplement. Il y a des stades où on aime bien l'Asie et d'autres pas. C'est ça. Parce que non, les fans de Street Fighter ne sont pas des fans de David Bowie. Ouais, là, il n'y a pas de question est-ce qu'il y a une grand-mère à balancer ou pas. Pas encore. Ah, malheureusement. Un peu dans Street 5, apparemment. Mais... Ah ouais. Bah, il y aura des. Tu sais, si tu mets une ultra. Ouh. Je suis assez fier. J'ai tenté. Qu'est-ce que je disais? Oui, que si tu mets, je sais plus, une super ou un coup spécifique, on va dire, dans le coin, dans certains niveaux, ça démarre des animations. Ah, sympa. Ouais, mais il y aura pas de mémé. Non, je pense pas. Ah là là. Il n'y a que Mortal Kombat. Tu me pètes, hein. J'avoue que je m'en sors pas trop mal. Bon, avec pas grand-chose en vie quand même à chaque fois. Presto! Oui. Ouais, j'essaye de varier quand je relâche, quand je mets dans la garde. Aïe. Oh là là. Ah, raté. Je chopperai pas. Ah là là. Aïe. Ah ouais, la solution de facilité. Ouais, mais c'est pour changer la barre. C'est quoi, c'est pour charger la barre? Ouais. Ouh. Double touche de l'égalité. Monsieur, se calme. Ah, mais non. Chacun son tour. C'est vrai que pour le coup, c'est un joli versus au niveau des ultras. C'est vrai. Waouh, bas moyen kick, le coup, j'utilise jamais quoi. Non, mais non, j'ai sauté en vrai. En vrai, c'est...
Là, ce que vous voyez, c'est une réalité alternative dans le monde où j'ai pas sauté. Mais dans mon monde, j'ai gagné ce combat en fait. J'ai sauté et j'ai fait ultra. Bah ouais. Je vous explique. Voilà. Exactement. Et du coup, j'ai gagné. Bah en vrai, c'est toi. Ouais. On continue ? Bah Vega, je sais pas qui. Ah ouais, d'accord. Bah c'est la fin du numéro qui. Comme ça, on aura fait le tour de tout le monde. Bah c'est pas dit. Il me reste un perso, mais je sais pas si j'ai vraiment envie de sortir ce truc là quoi. Attends, prends quelqu'un avec qui tu veux, tu penses t'en sortir quand même. Allez, je try avec lui. Voilà. Ouais, voilà. C'était ça ou Décapré. Ah. Je me suis dit au moins Décapré, je peux peut-être essayer de t'embrouiller l'esprit, mais je m'embrouillerai le mien aussi. Donc bon, c'est peut-être pas la meilleure idée. Parce que bon, mon Vega, j'ai envie de dire, il marche. Qu'un combat, on va dire. Après, il marche plus. Et pas le premier. Tu te fais souvent péter le premier round. Ouah, joli. Bien. Ouh. Putain, vous avez été chaud, toi. Ouais, hein. J'avoue. Ah oh putain, t'es vraiment chaud. Mmh. Hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas réussi du premier coup, mais. Le combo, ouais. Même si je fais pas l'entier, je sais, mais bon. Je fais ce que j'arrive. Ouais. Je fais ce qui marche. Ah oh, double touche. Ah, il est pas content, hein, ton dégât. Il est pas content. Oh! Truc qui marche jamais. Ouais, j'avoue. Oh là là. Merde. Et j'ai une baisse des FPS, je ne sais pas pourquoi. Ouais, j'ai eu la même putain là. D'accord, ah, c'est pas mal. Du tout ce que je voulais, c'est pas grave. Pas mal, pas mal. J'aime bien. Ouais, je suis quoi. Oh là là, purée, hein. Ouais. Tu remarques la censure YouTube. Alors que je le fais bien pas bien, moi. Ouais. l'explosage, hein. La déchéance d'un homme. Ça s'est plutôt mal passé, ça. Plutôt, ouais. Mm. Ah non, mais t'as mieux joué, hein, tout simplement. T'as mieux joué. Du coup, je t'ai passé ton info. Oh là là. Ah ouais. Bon, faut que j'arrête de faire du caca. Ouais, j'ai fait le bon Vega dégueulasse, comme il faut. Je t'ai mis un coup, j'ai reculé et je faisais plus rien. Oh, joli. 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 Pour une fois qu'il marche. Ah ouais, mais... ouais. Ouais, au revoir. Mais qu'est-ce qui se passe, Miro? je ne peux rien faire, mec. J'arrive pas à trouver de... Non, c'est vrai que mon Vega des voix te stun mental. Ah, mais... J'arrive pas à trouver... Là. Je saute, je... Voilà. J'avance à terre, je me fais... Voilà. C'est chaud. Ouais, voilà. C'est chaud. Ouais. Je suis à terre, mec. C'est la fin. Je suis fini. T'es relevé depuis. Oui, ouais. Putain, mais c'était quoi ça? J'ai même pas voulu le faire, le... Ouais. Bah, je sais pas, sors ton Sagat à la limite. Sors ton Sagat pour la limite, pour le final, je sais pas. Allez. Ou qui tu veux. T'as Makoto, j'en sais rien, qui tu veux. Makoto contre Vega, ouais. Vas-y. Ça marche. Okay. Non, ton favori. Sors ton favori. Mon favori. Ouais. Ouais. Bah, j'ai envie de dire, si à une mise à terre t'es mort, le favori le plus logique c'est lui. Ouais, bah ouais, voilà. Voilà. Là, c'est le premier qui tombe, il meurt, quoi. Ouais. C'est.
Et du coup, on le fait en 1-1. Best of 1. Ouais. Best voilà. of 1. Voilà, c'est le combat bonus. Comme en tournoi. C'est ça. Money match. Money match. Money match. Money match. Ah non, en tournoi, ils font du... Best of 5, je crois, maintenant, quand même. Best of 3, non, ouais, best of 3, ouais. Ça dépend. Déjà, j'ai des boules. Ça, c'est bien, les boules. Même si je peux pas en abuser parce que c'est Vega. Oh, ça va, je prends encore mon ultra. Ouais, mais t'as quand même des trucs ex, c'est chiant. Aïe. Ah merde, c'est vrai qu'il faut ramasser sa griffe en appuyant maintenant. Ça marrant. Et bien sûr, il veut pas que je la récupère. Oh oui, perds ton masque en plus, ouais. Ça marche. Oh bah t'as tapé apparemment. Oh bah ouais, mais ouais, j'ai tapé, mais j'ai fait un side jump, mais ça c'est ce que j'ai cru. Ça c'est ce que j'ai cru. Ah là là. 1-1, on m'a dit 1. Aïe 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 aïe. Vous voyez la barre de vie que j'ai perdue sur un coup. Ça c'est Evil Ryu. Mais ça aussi c'est un peu Evil Ryu. Ouais, ça aussi c'est Evil Ryu. Putain, j'aurais dû la balancer. Ouais. Oh, j'ai de la chance. Ouais. Je ne sais pas. Oh là là. Bon. Ah là là. Je pense c'est bien parce que c'est quand un que je l'ai eu. Ah, je sais pas. Hein. Je sais pas. Tu veux qu'on voit? Allez, best of 3, on gâte les gens sur mardi Street. Ce soir, on gâte. Ouais. On fait le best of 3. Bon, c'est, je vais me faire péter pendant 3 matchs, hein, les gens, je vous dis tout de suite, hein, spoiler alerte. Hein. Oh. Je vais mourir. Moi, je ne pense pas. Hein, dernière fois, quand j'ai sorti Vega, c'était loin de. Ouais, mais là, il est en forme, hein, mec. Hein. Il est en forme, j'avoue. Oh, tu as contré mon Shoryu avec un Cosmic Mars. Ouais, le truc qui arrive une fois tous les 100 ans, je le tente 15 000 fois. Mais... ça a jamais marché, là bien sûr on filme donc ça marche. Ouais, bien sûr. Bah tant mieux, hein. Non, mais ouais, mais non. Bah ouais, oui, mais ouais, non. Mais, oui. Mais ouais, mais non. Vous voyez, j'ai la focus trop facile. Ouais, mais c'est bien qu'elle revienne. Parce que elle était pas trop là et c'est quand même ça le. Ouais, là. Qui peut me grave, me. Voilà, me mettre dans cette situation ou quoi. Voilà. Ouais, voilà quoi. La focus, c'est quand même pas mal. Ouais, bien. Je me suis pris pour Sagat, t'as vu? Mm-hmm. Avant et kick, après le show du cancel. Mais non. Putain, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Ah, ça se passe, hein. Ça se passe, hein. Un saut, le bam. Putain, tu. Donc t'as gagné le best of 3, mec. Ouais. T'as gagné le best of 3, mec. Je suis beau. Ouais, bon, Vega, ouais, c'est un narcissique de merde. J'aime bien son style avec son masque. Par contre, dans le 5, je suis grave content de sa gueule. Ah ouais. Pour le coup, il. Tu vois, ils l'ont refait un peu. Je trouve qu'il fait beau mec, mais pas. Mais pas ta fiole, quoi. Je sais pas comment le dire autrement. Ah, d'ailleurs, mais... j'ai acheté, bien évidemment, Future Cops, un film. Ah,
récemment. Si tu veux, on pourrait regarder quand même. Ah ouais, waouh. J'avoue. Un futur plug, je suis content de l'avoir trouvé, de l'avoir acheté. C'est chaud quoi. Ouais, ouais, je me doute bien. Je l'ai proposé à notre cher ami Pitstop 109. Et what? Ouais, presque un combo. Fait, hein. Non, il y avait le X derrière normalement, mais il est raté. Oui, non, mais t'as fait le combo avec les normaux. Mm-hmm. Mais j'avais déjà fait avant, je crois. Non, d'accord, la griffe, il n'y a pas à appuyer, c'est le masque qu'il faut appuyer. D'accord. Ouais, ouais. Putain, voilà. Tentais réflexe voilà. De fou, mais non. Voilà. Je tentais ultra, quoi, mais. Ouais, ouais. C'était quand même trop rapide. Ah, non, moi, je suis là que je peux vraiment placer en combat. L'élément indispensable pour continuer à faire le Vega dégueulasse. Quoi. Ouais, si tu mets un coup, tu mets à l'autre bout du terrain et tu fais la provoque. Là, t'es le pire Vega au monde. Et là, on fait des cabrioles un peu comme ça, je passe en dessous de tes Shoryu, tout ça. Il se passe des choses. Mais tu vois, j'ai un peu perdu le contrôle. Quand même. Ouais. Je n'ai plus tout à fait le contrôle des choses. J'aime bien ça. Ah ouais, je fais mon Vega. Ouais, mais toi t'as le droit d'interrompre tes ouais, trucs. Ouais, j'ai comme le droit ça. D'interrompre. Mais c'est quoi ce droit? Moi j'ai jamais le droit. C'est quoi ce droit? J'ai sauvé l'honneur. Ouais. J'ai quand même. Merci. J'ai sauvé l'honneur. Ça s'est quand même moins bien passé à force. Vega, voilà. Si vous voulez comprendre le problème de Vega, regardez le dernier match. Vous comprendrez. Ouais. Et ben, on espère que cet épisode vous aura plu pour le coup. Bien évidemment. Cet épisode de Mardi Safrit Return a Street. Yeah. Ça rime. Avec de l'huile, parce que les frites, c'est mieux comme ça. Et ouais, donc n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Ouais, grave. Et grave. Ou une j'aime, parce que une j'aime c'est cher aussi. Ouais. Waouh. Si tu le dis. Ouais, non mais un j'aime, une j'aime, tu vois. Ouais, ouais, non mais. J'aime genre un pire. Ouais. On va mettre fin à cette vidéo hein, que les gens se rendent compte de ce que tu viens de dire. Mais. Les fins chaotiques, on est pro quand même. On est pas mal. On est pas mal. Et donc on vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.